Et bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine sous cette chaleur bien dégueulasse. On se retrouve donc aujourd'hui avec moi-même et peut-être Sky Venild qui passera tout à l'heure pour le premier épisode de la série livre audio Assassin's Creed. Donc comme on avait fait hein, Sky et moi-même pour la série livre audio de The Elder Scrolls, on réitère cette expérience puisque cette fois c'est sur l'univers de Assassin's Creed et surtout en fait comment est né hein, cet univers là, quels sont les codes, quels sont les différents processus créatifs qui ont permis à l'aboutissement de ce jeu, enfin de ces jeux, hein, voilà. Donc ce sera une série de plusieurs épisodes, bien entendu. La première saison, parce que oui, effectivement, il y a plusieurs saisons déjà de prévues. Cette première saison comporte environ 5 épisodes. Voilà. La saison 2 sera quant à elle diffusée un petit peu plus tard, hein, soit en fin d'année ou en début d'année prochaine. Le temps vraiment de tout boucler, de tout faire correctement. Et j'espère que ça vous plaira. Je sais pas qui est présent là actuellement, mais voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Y a personne, ah mon Dieu, il n'y a personne du tout. Ah là 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 là. Eh bien, ce n'est pas grave, nous allons donc lancer ce petit live. Je vais en profiter, je vais quand même laisser un petit peu le temps au jour où personne d'arriver, hein, bien entendu, on faisant un petit peu de publicité. Donc, à savoir que ce soir, c'est le deuxième épisode du film Series Story, donc tiré de The Witcher 3.
Donc, c'est pour résumer, c'est The Witcher 3, mais uniquement sur le point de vue de Ciri. À savoir que si je me trompe pas la semaine prochaine, ce sera la même chose, mais sur le point de vue de Yennefer, et qui est tout aussi intéressant de voir en fait l'histoire sous un regard autre que celui de Geralt, pas de Geralt. J'ai trouvé cette initiative hein, de la part de la personne qui a fait les montages vraiment très intéressante. C'est pour ça que j'ai décidé hein, de vous partager cela afin que vous puissiez regarder par vous-même ce que ça donne. Hier soir à 21h, c'était donc le Ciné Gaming Ciri Story partie 1. Et donc ce soir à 21h, toujours, c'est Ciri Story partie 2. Ce week-end, je ne serai pas présent. Je ne serai pas du tout présent puisque, à partir de demain, je vais partir hein, en immersion totale et complète en reconstitution historique pour faire un petit reportage avec interview, avec les photos, des vidéos. Voilà tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un petit montage ensuite pour vous offrir un reportage en immersion de la reconstitution historique à l'époque romaine, à l'époque de l'Empire romain hein, principalement. J'irai un petit coup chez les Celtes également, je vais interviewer vraiment les organisateurs, les différentes associations, et je vais surtout essayer de ne pas interviewer les dirigeants de ces associations, hein, même si ils seront présents. Justement pour avoir un point de vue vraiment des personnes qui sont au cœur de cet assaut, de ceux qui la font vivre réellement par leur présence, par leur passion et par leur enthousiasme d'être toujours présent à chaque événement qui est organisé. Donc à partir de demain, je ne suis pas présent, je rentrerai dimanche soir. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant ces 3 jours. La semaine prochaine, alors on continue hein, bien sûr au niveau des ciné gaming. Cela va de soi, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine au niveau des ciné gaming? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite, en espérant que je ne me trompe pas. Voilà, donc, le 31 juillet, nous aurons donc la première partie de Yennefer Story. Comme je l'ai dit, c'est The Witcher 3 vu du point de vue de Yennefer. Et la seconde partie est diffusée quant à elle le 1er août. Hein, le 1er août, et tout cela à 21h. Ensuite, nous avons un film le 2 août, donc c'est un jeudi. Un film qui sera très 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 intéressant puisque c'est Max Payne. Max Payne pour le ciné gaming de jeudi 2 août. À savoir également que lundi, aux alentours de 21h également, une conférence romaine sera donnée hein, sur cette même chaîne. Conférence romaine qui portera sur... Alors, attendez un petit peu que j'aille vous rechercher l'information. Donc, conférence romaine. Donc, c'est toujours les conférences, hein, les nocturnes du plan de Rome, hein, qui sont donc organisées par le CIREV et Unican, et qui seront bien entendu présentées par Philippe Fleury, je sais plus comment c'est son nom de famille à cette personne-là. Mais voilà, c'est un latiniste, hein, c'est un latiniste de l'université de Caen. Donc je vous invite également à suivre. Lundi, on sera le quoi? Lundi, on sera le quoi? Voilà, bon, on sera le 30. Lundi, on sera le 30. Alors déjà, sachez que pendant le week-end, certes, je ne serai pas présent, mais d'autres conférences sont déjà organisées, puisque le 27 juillet, et là, c'est toujours à 21h, conférence romaine, toujours les nocturnes du plan de Rome, avec le CIREV et Unican. Le 27 juillet, donc, vous aurez droit aux automates antiques.
Donc seul, alors pour information, seul, donc, cette conférence-là est réellement très très intéressante concernant les automates, parce que c'est les automates, quand on parle d'automates, on a plutôt tendance à penser que c'était quelque chose, que c'est quelque chose d'assez récent. Hein, quelque chose qu'on a créé, qu'on a inventé, on va dire, au 16, 17, 18e siècle. Or, pas du tout, pas du tout. Hein, les Grecs avaient depuis très très longtemps inventé des automates. Et cette conférence va donc mettre en lumière tout cela. Et vous allez voir, vous allez être vraiment bluffé. Le 28 juillet, tout maintenant, à 21h, c'est donc les Nocturnes du Plan de Rome sur le palais des empereurs. Là aussi, vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à regarder. Le faste des palais impériaux de l'Empire romain, notamment celui de Néron, hein, le fameux palais doré, la maison dorée de Néron. Vous allez voir, vous allez vraiment en prendre plein la gueule et plein les yeux. Le 29 juillet, donc dimanche, vous aurez à 21h toujours le forum républicain. Donc celui hein, qu'on va en général visiter quand on va à Rome en Italie, c'est donc ce forum-là qui ont les vestiges à côté du Colisée. Hein, voilà. C'est donc celui-ci que l'on peut aller regarder. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, vous allez même pouvoir vous promener en visite virtuelle à l'intérieur de ce forum. Et salut à toi Niki, comment vas-tu? Donc voilà, je rappelle hein, le 27, donc demain à 21h. Les nocturnes du plan de Rome, les automates de l'Antiquité, le 28 juillet, le palais des empereurs, et le 29 juillet, le forum républicain, les nocturnes du plan de Rome, toujours en collaboration avec le CIREV et Unican, et présenté par Philippe Fleury, latiniste à l'université de Caen. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'annonce hein, dans la semaine qui vient. Donc je propose hein, qu'on lance maintenant ce premier épisode, un hein, premier épisode avec la douce voix de Sky, bien entendu. Bah écoute, ça va bien, Nikki, merci, merci. Ça va bien. Donc ouais, Sky nous a encore fait un travail de malade, hein, comme d'habitude, hein, quand elle fait quelque chose, elle le fait bien. Hein, donc je vous propose de regarder. Tout cela, je vais donc mute mon micro le temps de cet épisode qui dure environ une petite vingtaine de minutes. Et je vous donne rendez-vous juste après. Allez, à tout de suite. Le credo de la confrérie des assassins a toujours été assez ironique et paradoxal. Nous avons là un groupe d'hommes et de femmes unis par une volonté de paix et de liberté, mais qui considèrent l'assassinat comme un moyen légitime d'atteindre leur but. Ils se battent contre ceux qui cherchent à contrôler l'humanité, mais sont attachés à leurs traditions. Ils remettent en question tout ce qui paraît être la vérité absolue, mais considèrent que tout est permis pour faire avancer leur cause. Tout comme cette confrérie, qu'ils ont soigneusement créée, les développeurs d'Ubisoft entretiennent une relation compliquée et originale avec leur œuvre. Assassin's Creed a établi ses propres règles en matière de style et de décor, pour mieux les transgresser ensuite, par plaisir de se surpasser. Aucun concept, personnage, mécanisme de jeu ou style graphique n'est considéré comme un acquis. Pour chaque nouvel opus, l'équipe chargée du projet compare les bénéfices potentiels de diverses innovations au profit des éléments hérités. Chaque année, Assassin's Creed se réinvente et dépasse toutes les attentes des joueurs, qui traverseront les grandes périodes de l'histoire dans la peau de multiples personnages. Les idées nouvelles sont toujours bienvenues, qu'il s'agisse de mécanismes d'escalade et de combat, de mini-jeux ou d'arbres de compétences. Que se passerait-il
si un jeu axé sur le parcours urbain se trouvait transposé en pleine nature ou sur l'océan. Si un personnage relie tous les épisodes entre eux, peut-on poursuivre la franchise sans lui ? La série Assassin's Creed a rencontré de nombreux succès sans pour autant cesser d'innover et de prendre des risques. Une grande partie du succès de la série provient de la qualité de la trame narrative. Nos lointains ancêtres auraient créé les hommes avant de périr dans un cataclysme dévastateur. L'humanité est livrée à elle-même et son élite se divise en deux factions rivales, les assassins et les templiers. Les assassins croient en la liberté pour chacun et en un avenir radieux où connaissance et pouvoir seraient accessibles à tous. Les templiers, pour leur part, pensent que la paix et l'ordre ne peuvent exister que si l'humanité est dirigée par quelques despotes éclairés. La dernière pièce du puzzle permet d'ancrer cette fiction dans le présent. Une technologie surpuissante permet aux assassins et aux templiers d'aujourd'hui de se replonger dans les souvenirs génétiques de leurs propres ancêtres, revivant ainsi le passé comme s'ils y étaient. Le conflit éternel se poursuit, façonné par les événements du passé et construisant notre monde. Les divergences philosophiques entre assassins et templiers apparaissent à chaque période de l'histoire du monde. Et c'est précisément ce qui fait le succès de la série. L'histoire comme terrain de jeu. Des croisades du Moyen-Âge au balbutiement de la démocratie occidentale et au-delà, la série explore diverses périodes de l'histoire déclinant l'affrontement entre les deux factions au fil des héros, des rivaux et des époques. Les détails changent, mais le conflit reste le même. De prime abord, le cadre paraît terriblement ambitieux et compliqué pour un jeu d'action. Et pourtant, c'est cette complexité même qui a permis à Assassin's Creed de se développer davantage chaque année. Le scénario global, très élaboré, permet de conserver la constance de la série grâce à une vision d'ensemble en constante mutation, mais toujours cohérente, épisode après épisode. Chaque nouvel opus catapulte le joueur à une période différente de l'histoire, recréée avec le souci du détail, mais aussi celui de la satisfaction des joueurs. Et si on pouvait rencontrer Léonard de Vinci ou grimper sur la façade de Notre-Dame de Paris ? Et si on pouvait assister aux batailles les plus meurtrières de la guerre de l'indépendance des États-Unis, ou errer dans les ruelles sombres de Londres, de la révolution industrielle? Les artistes d'Ubisoft se sont basés sur des faits historiques pour composer un mélange savamment dosé de faits et de fictions. Tout au long des pages de cet ouvrage, nous explorons ces différentes périodes historiques en compagnie des artistes qui ont conçu la série Assassin's Creed. Leurs créations ont inspiré des milliers de développeurs ayant contribué à la série au fil des années. Elles ont été imaginées par des artistes au sommet de leur art et bien souvent elles transcendent leur but premier pour devenir des éléments narratifs à part entière. D'une icône à l'autre. Près d'une décennie après l'arrivée d'Assassin's Creed sur le marché, on peine à croire que la série a bien failli ne jamais voir le jour. Aujourd'hui, le jeu est un poids lourd du jeu vidéo, le fer de lance d'Ubisoft, et représente des millions de joueurs dans le monde entier. Plus d'une douzaine de jeux distincts et divers romans, bandes dessinées, figurines, films et films d'animation associés. À l'origine, toutefois, Assassin's Creed ne devait pas être une série. La petite équipe derrière la création de Prince of Persia Les Sables du Temps venait d'être à nouveau réunie pour créer une aventure du prince sur console dernière génération. Nous devions faire un nouveau Prince of Persia, raconte Jean Guesdon, directeur de la création pour Assassin's Creed. La principale différence, c'est que nous passions d'un univers imaginaire au monde réel. Kai Nguyen fut l'un des premiers à composer une esquisse de l'assassin. Patrice Désilet, le directeur de la création, lui a soumis des idées tirées de manuscrits antiques en lui demandant de s'en inspirer.
Ces premières ébauches se basaient principalement sur des peintures orientalistes du XIXe siècle. Les premières ébauches conservaient le style fantaisiste et dynamique des précédentes aventures du prince acrobate. Petit à petit, cependant, les membres de l'équipe se sont rendus compte qu'ils tenaient peut-être quelque chose de plus solide. Un jeu différent, mais qui ne perdrait pas de vue pour autant l'idée d'un personnage central agile et téméraire. Nous avions gardé le côté épique indispensable pour les jeux d'action-aventure, mais nous penchions de plus en plus vers un univers réaliste, se souvient Raphaël Lacoste, le directeur artistique de la marque. C'est ce traitement réaliste du thème central des graphismes et du scénario qui nous a permis d'éloigner ce jeu de son prédécesseur Prince of Persia. Aux premières heures du développement conceptuel, l'ambition était au rendez-vous, et tout a été envisagé, des assassins multiples au système de jeu en coopération. Patrice parlait beaucoup de coop, se rappelle Cayenne Guillaume. J'ai essayé de représenter cela dans une illustration, avec un assassin tapis dans l'ombre, dague à la main, et à ses côtés une femme assassin armée d'une petite arbalète. À l'époque, le jeu en coop c'était trop ambitieux, et nous nous en doutions. Mais nous avons voulu commencer par voir très grand, sans nous préoccuper des contraintes de temps ou de production. Les membres de l'équipe ont dû revoir leur ambition à la baisse pour ce premier jeu, mais ils savaient qu'ils tenaient un filon. Au fil des illustrations, le nouveau monde et le nouveau personnage s'éloignaient trop de Prince of Persia pour rester dans la même licence. Le héros en tunique blanche avait un aspect fantastique, mais il aurait pu faire partie du monde réel. Nous avons choisi un univers qui nous entraînait vers un traitement visuel plus accompli, plus consistant, se remémore Raphaël Lacoste. Nous nous sommes efforcés d'être aussi méticuleux et consciencieux que possible dans notre représentation du monde et de ceux qui l'habitent. Plus la création avançait, plus les illustrations affluaient, et plus le nouveau projet semblait s'éloigner des merveilles orientales et colorées du précédent opus, pour se diriger vers des faits historiques et vers une nouvelle licence. Une question demeurait toutefois, si l'intrigue devait se dérouler dans un contexte historique, quelle période choisir ? La troisième croisade. En 1191, la Terre Sainte est une poudrière. De nombreux souverains chrétiens, y compris Richard Cœur de Lion, ont mené leurs troupes sur des terres considérées comme sacrées par les trois grandes religions monothéistes. Mais le sultan musulman Saladin leur oppose une résistance opiniâtre et empêche les envahisseurs européens de reprendre cette Jérusalem qu'ils convoitent tant. Historiquement, les deux factions du jeu ont effectivement existé. Les chevaliers du temple étaient des croisés, des soldats d'élite habillés de blanc et portant une croix rouge caractéristique. Dans le même temps, la mystérieuse secte des assassins terrorisait la région par ses assassinats politiques. Assassin's Creed se situe pendant cette période. Dans le jeu, les templiers et les assassins ne sont pas seulement rivaux dans un conflit sanglant. Ce sont des ennemis séculaires. Les enjeux dépassent de loin le contrôle de la Terre promise. Assassins et Templiers se battent pour l'avenir de l'humanité. Les assassins croient en un monde où tout serait permis et dans lequel les peuples seraient maîtres de leur destinée. Les Templiers, quant à eux, pensent que le monde doit être dirigé par une élite. Plutôt que d'aborder des tenues très différentes, assassins et Templiers partagent un certain nombre de particularités visuelles. Au lieu de porter des couleurs complémentaires, ils arborent des teintes assorties afin de mieux illustrer leur origine partagée. Toutefois, les courbes et les lignes fluides du costume des assassins contrastent avec les lignes franches de l'uniforme templier, ce qui rend les deux factions immédiatement reconnaissables entre elles. Ce contraste graphique va conserver tout son sens au fil de la série. Visuellement, les assassins ont un style très naturel. Les templiers, à l'inverse, ont hérité de lignes plus strictes, plus franches, explique Raphaël Lacoste. Les deux factions sont très différentes en matière de forme et de composition.
Le design des assassins est inspiré des lignes des oiseaux de proie, tandis que les costumes des Templiers ont des lignes aussi dures, droites et symétriques que celles de leur forteresse. Ubisoft a pris beaucoup plus de liberté avec la conception des mystérieux assassins qu'avec celle de leur ennemi à la croix pâtée. On a beaucoup de données historiques sur les Templiers pendant la Troisième Croisade. De fait, leur tenue dans le premier opus de la série est très proche de la réalité historique. La dureté des lignes et la croix rouge portée en évidence définissent l'identité visuelle des Templiers tout au long de la série et suivent l'évolution de la tenue de l'ordre au fur et à mesure de l'évolution du jeu et de son design. Un héros d'un nouveau genre. Certes, Altaïr a d'abord été une variante d'un personnage préexistant. Toutefois, son apparition dans le premier Assassin's Creed a permis d'asseoir définitivement l'intrigue de la confrérie des assassins. C'est un héros d'un genre nouveau, pour un jeu d'un genre nouveau. Ses couteaux de lancer et ses armes exotiques rappellent l'arsenal des ninjas, tandis que ses tuniques superposées donnent une touche religieuse à son apparence. Une grande capuche tombante dissimule son visage, mais son costume au ton blanc et rouge n'a rien d'une tenue de camouflage. L'aspect du personnage semble n'être qu'un fatras d'idées et d'influences contradictoires. Ces discordances visuelles reflètent les conflits intérieurs du personnage. Au début de l'aventure, Altaïr n'est pas particulièrement attachant. Il est fier, narcissique et incapable de reconnaître ses erreurs. Après avoir reçu de son mentor une bonne leçon d'humilité, Altaïr se trouve confronté à des épreuves qui l'obligent à repenser toute sa vision du monde, de lui-même et de l'ordre auquel il appartient. Ayant acquis connaissance de soi et discipline, Altaïr a également vu évoluer son équipement au rythme de son développement personnel. En plus de mettre en valeur son évolution, les tenues d'Altaïr sont incroyablement décontractées. Au début, nous lui avions donné un style trop romantique, se souvient Raphaël Lacoste. Sa tunique et sa silhouette étaient trop extravagantes. Nous avons dû les améliorer et les adapter davantage à un assassin. Altaïr est très réfléchi. Ce trait devait transparaître dans sa tenue définitive. La capuche, par exemple, était très échancrée au début. Petit à petit, elle s'est rétrécie pour projeter une ombre sur son visage et ajouter un peu de mystère au personnage. Il s'agissait là d'un personnage de jeu vidéo qui ne ressemblait à aucun autre. C'était un super-héros du Moyen-Âge capable de fondre sur ses ennemis comme un faucon sur sa proie. Les allusions visuelles aux rapaces ne sont pas une coïncidence. Toutes les postures d'Altaïr, tant ses attaques en piqué que ses poses hiératiques, sont pensées pour rappeler un aigle. C'est un animal impressionnant, on ne peut que l'admirer. C'est vraiment le roi des airs, explique Jean Guesdon. Il donne l'impression d'être invisible. Il vous domine, il vous observe. C'est un prédateur qui choisit soigneusement ses victimes. Il est à la fois fort et gracieux, rapide et patient. Ce subtil mélange de mouvements et de poses hiératiques a été une grande source d'inspiration. Nous devons montrer clairement la différence entre profil actif et profil passif. Il fallait que le passage d'un profil à l'autre soit reflété par le personnage, tant au niveau de son look que de sa personnalité, se souvient Cayenne Guillaume. Je l'ai vêtu d'une tunique longue et fluide. Elle restait bien droite et lisse lorsque le personnage était immobile, mais réagissait de manière dynamique lors des scènes d'action. Quand Altaïr saute, sa tunique s'ouvre derrière lui comme des ailes. Ses lames secrètes se déploient et forment des serres. La capuche fait une pointe qui ressemble à un bec. Le nom d'Altaïr lui-même signifie en arabe « l'aigle en vol ». La tenue blanche immaculée reprend l'imagerie du rapace, mais sert également à indiquer qu'Altaïr n'envisage pas la furtivité comme les autres.
Plutôt que de se tapir dans l'ombre, il préfère se mêler à la foule et se joindre discrètement à des groupes de prêtres. Mais la pureté symbolique du blanc s'oppose au rouge de la ceinture, évocateur du devoir de mort de ce personnage militaire. Le rouge et le blanc sont les couleurs caractéristiques d'Assassin's Creed. Ces couleurs vives et fortes à valeur symbolique nous ont aidés à nous démarquer des autres jeux qui utilisaient surtout des palettes plus sombres, raconte Raphaël Lacoste. Contrairement à la plupart des prochains héros de la série, Altaïr est un soldat impassible, motivé par le sens du devoir, puis, plus tard, par sa recherche des connaissances nécessaires à la survie de l'ordre dont il deviendra le mentor. L'uniforme du personnage, par son design épuré, sa sobriété même permet de le définir. De plus, par un heureux hasard, c'est cette simplicité qui en a fait le modèle idéal pour tous les héros à venir. Une arme emblématique. Parmi toutes les armes utilisées dans des jeux vidéo, la lame secrète possède un charme particulier. Certes, il est fort peu probable qu'une arme pareille ait existé à cette époque. Mais c'est un détail dont on fait fi, tout comme on accepte sans disputer, par exemple, qu'une meule de foin puisse amortir une chute de plusieurs centaines de mètres. Pourquoi ? Parce que c'est amusant. À l'origine, les assassins devaient obtenir leur lame lors d'une cérémonie, durant laquelle le novice perdait un doigt, symbolisant les sacrifices. Cette lame couronne la tenue d'Altaïr, mais c'est aussi l'arme la plus puissante de ce premier jeu, si vous parvenez à vous en servir. Un insigne en constante mutation. L'incontournable insigne de la confrérie contient, au même titre que la tenue d'Altaïr, de nombreuses références à l'aigle. Les crochets en bas rappellent des cerfs alors que la pointe ressemble à un bec. Lors des épisodes suivants, il a conservé la même allure générale, avec de menues variations. Ajout d'un crâne évoquant un drapeau pirate, esquisse de la lame tranchante d'une guillotine, et récemment, le métal ouvragé de la révolution industrielle. Chaque version de l'insigne est cohérente avec les précédentes, mais s'adapte au cadre et à la période. Et donc voilà pour le premier épisode de cette série. J'espère bien sûr que cela vous aura intéressé. Hein. Le prochain épisode, c'est lundi. Voilà. Prochain épisode, lundi à 21h. Épisode 2, hein, lundi à 21h pour Assassin's Creed Livre Audio, hein, qui a été fait, je le rappelle, avec Sky. Sky Venild, qui malheureusement, je ne sais pas ce qu'elle fait. Soit elle est en train de devenir une écrevisse en plein soleil, hein, donc en gros d'être ébouillantée, ou alors elle est en train de mourir en étant collée contre le frigo grand ouvert. Je sais pas, j'en sais rien, c'est libre à elle. Mais j'espère qu'elle pourra être là en tout cas lundi. Parce que c'est quand même plus à elle que de parler de son travail. Parce que comme je le disais, je n'ai juste fait qu'assembler les vidéos qu'elle m'envoyait avec l'audio qui était incorporé dedans. Pour en faire des épisodes. Moi, ma seule contribution de montage, finalement, c'est juste les petites transitions qu'il y a à chaque fois. C'est vraiment juste ça. Ouais, je crois qu'elle a fondu, ouais, il me semble. C'est possible. C'est vraiment juste les petites transitions entre chaque partie dans les épisodes. Donc, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Hein. Je le reconnais, hein. Voilà. Pour rendre à César ce qui appartient à César. Je vais en profiter hein, pour faire un petit message personnel, hein, entre guillemets. Je souhaite un très 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 bon rétablissement à la Cortana qui nous a fait une petite frayeur, enfin une grosse frayeur même hein, en début de semaine.
Mais heureusement, hein, ça y est, les médecins ont compris ce qu'elle, enfin, d'où venait le problème, hein, l'origine du problème, et donc elle va pouvoir se rétablir avec le traitement adéquat. Donc bonne chance à elle, bon courage, hein, Miss. J'espère que tu seras vite de nouveau sur pied. Voilà, c'était le petit message, hein. Je me devais quand même de. Qui, la Cortana? Non, non, c'est pas, non, non, c'est pas une insolation. Mais Sky, oui, c'est possible. Ouais, Sky, ouais. Oui, elle a dû vouloir boire une bière trop vite et pouf, tombée. Donc voilà, je sais. Donc j'espère bien sûr que cet épisode vous aura plu, que le concept vous plaît également. Hein, parce que bon, ça avait pas trop mal marché avec Elder Scrolls. C'est pour ça qu'on s'était dit, on va le faire sur Assassin's Creed, parce que c'est quand même une grosse licence. Merci Niki. C'est quand même une grosse licence aussi, avec un univers qui est propre à lui, hein, donc enfin propre à elle-même en tout cas, la licence. Donc pourquoi pas un petit peu montrer cette licence-là, qui est Assassin's Creed. Bon, voilà, hein, c'est des petits épisodes qui sont assez courts, hein, entre 15-20 minutes. C'est une moyenne, hein, voilà. Sachant que chaque petite vidéo qu'elle m'envoie, bah, des fois ça dure 2 minutes, des fois ça va durer 8 minutes. Donc j'essaye d'assembler au mieux pour avoir des épisodes qui sont à peu près de la même durée. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même un énorme boulot qu'elle nous fait, la petite Sky. Donc remercions-la au passage pour tout ce qu'elle nous fait. Yeah. Donc je répète, ce week-end, moi je ne suis pas là, mais par contre il y aura quand même des trucs sur cette chaîne. Les soirs à partir de 21h, et ça commence dès demain. Les nocturnes du plan de Rome, hein, demain très intéressant puisque c'est sur les automates à l'époque antique. Nous avons ensuite les palais impériaux pour samedi soir, et dimanche soir. Ça sera sur. J'ai déjà oublié. Vivement la mémoire de Poisson Rouge, bravo. Ça sera sur le forum républicain. Voilà. Lundi 21h, deuxième épisode de la série Assassin's Creed. Et ensuite, faudra attendre le mois d'août pour avoir la suite. Bon, en même temps, en fin de mois, donc ça va aller vite. Donc après, au mois d'août, c'est très simple, hein, les épisodes 3 et 4, c'est respectivement les 11 et 25 septembre, août, pardon. 11 et 25 août, sauf si, bien sûr, pour X raisons, on doit décaler, mais normalement, c'est à ces dates-là. Donc voilà. Ah oui, bien sûr, oui, je continue. Ce soir, bah d'ailleurs, ce soir, c'est la deuxième partie de Ciné Gaming. The Witcher 3 Series Story, donc c'est The Witcher 3 du point de vue de Ciri, hein, l'histoire de The Witcher, mais du point de vue de Ciri. Et la semaine prochaine, donc mardi prochain et mercredi prochain, c'est The Witcher 3 Yennefer Story, donc ça peut être également intéressant, surtout pour Sky. À cause de Yennefer, bien sûr. Donc Yennefer Story mardi et mercredi prochain. C'est intéressant de voir le jeu sous un autre angle, une autre vision. J'ai trouvé ça très intéressant. Et le jeudi, ce sera Max Payne. Max Payne toujours à 21h pour Ciné Gaming. Donc à savoir, les Ciné Gaming, hein, c'est bouclé jusqu'à octobre pour actuellement. J'en ai jusqu'à début octobre. Il va y avoir notamment, je vais remettre la série Life is Strange, hein, qui a été faite donc par Thomas Foligny en Ciné Gaming. Je vais remettre cette série-là. Ben parce que j'ai remarqué depuis quelque temps que beaucoup de personnes se remettent à faire ce jeu en stream, et qu'ils ont raison parce que l'histoire est vraiment très intéressante. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas, hein, pourquoi pas la repasser, hein, sauf qu'au lieu que ça dure presque 2 semaines, je fais en sorte que ça ne dure qu'une semaine. Donc voilà, sur les 3 jours, vous allez avoir les 5 ou 6 épisodes, je sais plus combien il y a, les 5, je crois 5 parties de Life is Strange. Je remets également la série Halo, parce que Thomas Foligny a sorti les épisodes 4 et 5.
Donc je relance la série Halo également avec les épisodes 1, 2, 3. L'épisode 3 riche, là je sais plus comment on dit, est ODST. Et ça sera directement suivi par les épisodes 4 et 5 de Halo. Hein, donc Halo 4 et Halo 5. Il y aura Beyond Two Souls, l'original que j'avais déjà passé une première fois. Mais là, je rajouterai par-dessus l'extension. Voilà, Beyond Two Souls, je crois, si je dis pas de conneries, c'est Navarro. Hein, il y aura donc cette l'extension avec. Hein, voilà. Et pareil pour The Last of Us, The Last of Us Left Behind, qui seront également diffusés. Et tout ça, c'est en fin, enfin, c'est en septembre-octobre. Hein. On va avoir du D3, on va avoir Vampire, on va avoir du Overwatch également, hein, un film Overwatch. Donc vraiment plein de choses à venir sur Ciné Gaming. Et j'espère pouvoir continuer. Il y aura de nouveau du Star Wars. Hein, il y aura de nouveau du Star Wars pour Ciné Gaming. Donc là, ben, pour ceux qui avaient loupé en début d'année, en gros, c'est les. Oh, non, c'était en fin d'année dernière, pardon. C'est la trilogie Star Wars que j'avais montée moi. Hein, sur Star Wars The Old Republic, Knight of the Fallen Empire. Donc, et puis Knight of the Eternal Throne. Donc c'est vraiment une trilogie qui est faite de A à Z par mes soins. Hein, 3 mois de travail en gros. Hein, voilà. De montage en tout cas. Et je trouve, enfin, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, bien sûr. Parce que si je fais de la merde, je le dirai tout autant. Mais là, voilà, je trouve que l'histoire tient debout. Je me suis pas trop planté. Hein, il y a des petits trucs ici ou là qui pourraient encore être améliorés, malheureusement, mais bon. Voilà. Donc ouais, c'est une trilogie hein, qui dure à peu près entre 2 heures et 2 heures et demie par film. Donc c'est vraiment une autre. Enfin, disons que c'est mieux que les épisodes 7, 8 et puis sur puis le 9 qui va arriver dans pas longtemps qu'on n'a pas encore vu. Mais à mon avis, s'il suit le chemin qu'ils ont emprunté avec les épisodes 7, 8, le 9, bon, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai voulu, quand j'ai vu l'épisode 7, je fais non, 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 c'est pas possible, il faut une autre trilogie Star Wars autre que cette merde-là. Donc du coup, j'ai fait la mienne, hein, elle est mieux, honnêtement, elle est mieux. Donc voilà. Il y aura certainement du Battlefront 2 également qui arrivera courant octobre. Et sachant également qu'en octobre, la fin octobre, il y aura le Question pour un Viewer spécial dessin animé des années 80-90. Hein, donc restez présents. Le prochain QPV d'ailleurs est le 5 août. Dimanche 5 août à partir de 13h avec toujours un tas de trucs à gagner comme d'habitude. Hein, des clés Steam pour les finalistes et pour le grand gagnant, des goodies hein, comme toujours. Figurines Funko Pop, etc. etc. Enfin voilà. Commencez à être habitué maintenant. Du coup, bah il me reste à vous remercier de votre présence pour cet épisode 1 du livre audio Assassin's Creed fait par Skyvenild et moi-même. Et je vous souhaite un très bon week-end d'avance, puisque, moi, comme je le répète, hein, je ne serai pas là du tout à partir de demain. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. C'était LCR pour l'épisode 1, livre audio Assassin's Creed. Bye bye tout le monde. Des bisous. Alors petit truc intéressant également, c'est que ces épisodes, une fois la saison 1 terminée, elle sera également visible chez Skyvenild hein, et sur son YouTube. Oh,